been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am and I've been. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de livre. J'allais dire une présentation de vidéo. Non, ça va pas le faire. Oh là là, la fatigue, la meuf. Elle est fatigante. Donc, on se retrouve pour une présentation de livres de ma collection. Donc, le Luna de Maria Troll. J'ai juste fait une double page dans celui-ci. C'est l'édition Mus. Je l'ai trouvé sur Vinted en occasion. Donc, il y a une, voilà, il y a un petit colo. Voilà, il y a juste celui-ci qui était fait à l'intérieur. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause si jamais je vais trop vite. Dites-moi en commentaire si vous l'avez celui-ci. Je suis pas spécialement fan de Maria Troll. J'avais le Twilight Garden dans ma collection et celui-ci me faisait envie en fait. Donc j'ai fini par me le prendre, mais voilà, j'ai juste fait une double page dedans et depuis je n'y suis pas retournée. J'aimerais bien y aller un petit peu plus souvent. Voilà, j'avais fait cette petite double page. J'avais passé un temps fou sur les feuilles. Voilà. J'ai pas voulu refaire des feuilles avant un moment, mais bon, moi et les feuilles, il y a des périodes où j'en fais. Voilà. C'est dans le Mythomorphia que j'ai fait la double page du début, avec les feuilles, pareil. Je voulais plus entendre parler de feuilles, mais bon, vous voyez, ça m'a pas dégoûté, j'en ai finalement refait. Hein. Mais oui, j'aimerais bien y retourner dans celui-ci. Et je pense pas en racheter d'autres parce que bon bah ils se ressemblent quand même pas mal les derniers qu'elle a sortis je trouve. Et je vais pas suffisamment dedans pour m'en reprendre. Voilà. Moi, j'aime bien quand les colos sont délimités par un cadre et que ça déborde un peu. Et les colos sur fond noir aussi, j'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime bien. Ça, c'est des tournesols. Ouais, non, pas pour l'automne celui-là. Ouais, ça sur fond noir, j'aime bien. La petite licorne, mignon les petites licornes. Spécial fond d'eau. Ceci aussi. Mais bon, c'est là le centre, c'est chiant. Vraiment petit, hein. Compliqué pour les détails, hein. Je sais plus si c'est celui-là que j'ai vu fait une fois, il était magnifique. Ça ressemble à la posture, je trouve. Ça doit être celui-là. C'est vraiment toute petite. Alors, il faut que j'y retourne. Pourquoi pas tester le matériel aquarellable dedans? Monsieur Dumu, ça devrait bien se passer. C'est agréable de feuilleter ces livres. Et du coup, on a envie de tout colorier et puis au final, ben, je feuillette. Celui-là aussi, je l'aime bien. Donc voilà pour le Luna.
de Maria Troll. Donc oui, dites-moi si vous l'avez. On pourrait faire un colo en collant, ça motivera peut-être à retourner dedans. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Let me back to you.